Et plop les gens! Aujourd'hui, je suis Zikino et je découvre avec vous et avec Cinnoball Les gens. Hidden Through Time 2 Myth and Magic. Donc, si c'est le 2, ça veut dire que le 1 est déjà sorti. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est comme genre de jeu? C'est un peu un Où est Charlie? Il va falloir trouver plusieurs. Éléments, plusieurs objets cachés sur la carte. Bon, apparemment, il peut se jouer à la manette, j'avoue, pour ce genre de jeu. Je suis très bien au clavier. C'est un jeu solo, mais on y joue à deux parce que, bah, Solo. comme Où est Charlie, il n'y a qu'une personne qui peut interagir, mais il y a les deux personnes qui peuvent regarder et puis dire hey, je l'ai vu là, je l'ai vu là. Et comme vous avez peut-être pu le voir, il est en français et de 12,50 € hors promotion. Je crois qu'il y a des DLC. Je sais plus si c'était lui ou. Je crois que le 1 a pas mal de DLC et le 2 en a un peu moins. Parce que le 2 ajoute les cartes en ligne. Alors on va pas forcément vous les montrer les cartes en ligne tout de suite. Mais vous voyez qu'il y a dans. Ça doit être le workshop. On peut. On peut faire nos propres cartes, les uploader, leur donner un petit nom, tout ça. Et les gens peuvent leur mettre des cœurs. Là, c'est les plus aimés. Je sais pas, plus aimés. Voilà. Les cartes les plus aimées. Ils vont du très petit. Il y a trois trucs à trouver dans juste un truc de fleurs. À au moins des petits villages, montagnes, volcans, tout ça. Certain nombre de cœurs, j'ai dit, et certain nombre de choses à trouver. On n'a pas encore testé autant déjà découvrir ce que le jeu de base nous propose. Le mode architecte, pas forcément, enfin, si on peut rentrer dedans, c'est pas très long les chargements. C'est le mode de création. On a zappé le didacticiel, mais on peut le redemander ici. Mais si on veut très rapidement, on peut dire. Voilà, cette personne, celle-ci. Je veux que lui fasse un passage comme ça. Sélectionner l'autre personne. Ah, bon, je la fais sauter, voilà. On peut faire des choses. On a plusieurs météos. On va voir ça un peu plus tard, à quoi ça va ressembler. On va pouvoir faire normalement des maisons, on va pouvoir faire plein de choses. Mais avant de se lancer dans la création, le mieux. Le mieux, ça va être de trouver à quoi. De regarder à quoi ressemble vraiment le jeu. Mais je voulais quand même vous montrer les modes de. Les autres choses avant de se lancer dans le jeu. Parce qu'on ne sait pas trop combien de temps ça va nous prendre. Et voilà. Donc on a une campagne avec 4 époques. Chaque époque a 8 cartes à faire, avec j'ai l'impression 3 objectifs différents. Donc on a les mille et une nuits, la mythologie grecque, la magie des années 80. Et nous on a commencé par le Moyen Âge. On a fait 5. On est à la cinquième carte sur 8 ou on en a fait. Je sais pas. Et on a trouvé la moitié des objets. On a fait du coup les 5 premières cartes. Il y a une sorte de petit scénario où la dame du lac nous demande de faire une quête. Donc nous, on se prépare à l'auberge. Après, en chemin, en forêt, on va demander des elfes, mais il y a des gobelins. Je sais plus. Je sais Je plus, sais c'est plus. quoi de l'histoire. Non, je sais. Là, il y a un nécromancien et on en était là. Le retour des héros. Ouais, le retour. De toute façon, on va avoir le petit générique, la petite présentation. Qui va vous l'expliquer. Chargement. The land is safe once again.
thanks to our valiant heroes. After a long journey home, they return to town to collect their well-earned reward, to sell their spoils, and to bask in the cheers of the commoners. Hurrah! Hurrah! Et donc comme ça, on vous montre non pas une carte de début, mais une carte plus avancée. Alors au début, la première, elle fait peut-être la taille, cette taille-là à peu près. Il n'y a pas autant de choses cachées. Là, vous voyez que la carte est plutôt grande. Sachant que chaque bâtiment peut s'ouvrir. On a des petits parties poussies. Poussin par partie parotte, mais version poussin. Et donc voilà, on peut ouvrir les choses, interagir avec les choses qui ne sont pas utile. Ici on a tous les tout ce qu'on doit trouver avec un petit texte qui des fois donne un peu d'indices, des fois non. Par exemple là, n'oublie pas ton outre fiston, le voyage va être long. Là par exemple, on sait que c'est une outre, on a juste à repérer ça, mais potentiellement c'est quelqu'un qui la montre, qui la donne à quelqu'un d'autre, ou si on voit un enfant et un adulte, on pourrait se dire que c'est pas dans cette zone là. Voilà, pour l'interface, on a le didacticiel, le menu, le titre. Ici, on va pouvoir changer de temps entre le jour et la nuit. Des fois, c'était le jour, l'été, l'hiver, ce genre de choses. On a un objectif secret. De ce qu'on a compris, c'est toujours un œuf, un peu un œuf de Yoshi coloré blanc avec des taches rouges. Potentiellement même, il brille. Et là, c'est pour aller au niveau suivant, vu qu'on a fait les niveaux à 100%, on peut déjà aller au niveau d'après. Mais sinon, on doit découvrir. Les niveaux ne se débloquent qu'une fois qu'on a découvert un certain nombre de choses. Voilà, de l'objet. Là, on a aussi sur les objectifs, on a l'indice. Par exemple, cette lettre ne peut être découvert que la journée, alors que cette serviette ne peut être découverte que la nuit. Et il n'y en a pas là, mais des fois en haut à gauche et en haut à droite il y a des symboles, du coup l'objet il peut être découvert jour et nuit. Du coup on avait commencé un tout petit peu. En fait elle est là la lettre. Voilà, je crois que je l'avais ouvert mais je ne l'avais pas vu. On avait commencé à regarder. On va réouvrir, re-regarder tout ça avec vous. Oh. Pareil, l'œuf est ici que je n'avais pas vu. La serviette. Ah non, c'est un... La serviette, c'est devenu ça, c'est un coussin. Ça, c'est un... Voilà, là, c'était l'objectif, c'est l'œuf, objectif secret. Et sachant que le jeu vous dit, vous êtes à 100% alors que vous n'avez pas encore découvert le secret. Où il y a la clé. Clé, ça va être vraiment le truc le plus dur à trouver, parce que voilà, là je vous montre, mais certains bâtiments ont plusieurs étages, donc là il y a, enfin on peut les ouvrir déjà, et en plus il y a plusieurs étages. Ici il y a même trois étages, il y a le grenier avec trois chats, le premier étage avec une souris qui danse, il y avait la souris à trouver. La boule de cristal me dit qu'il y a un rat chez moi. Et la sorcière qui est peut-être alcoolisée, mais devant sa boule de cristal. Donc effectivement, là, si on avait lu, on avait l'indice que c'était potentiellement chez la sorcière. Voilà. Il y a plusieurs étages, il y a plein de choses, des fois... des coffres à ouvrir qui sont dans les maisons. Celui-ci. Celui-là. Et des fois, il y a ce qu'on cherche dedans. Donc voilà. Il cherche. Il faut trouver tout ça. Donc au début, je le trouve très compliqué. Puis quand on en a plus beaucoup, on sait qu'on cherche le truc X ou Y. Du coup, on y fait un peu plus attention seulement à ça.
puis on a un peu l'indice de bah, on a trouvé déjà beaucoup de choses ici de jour, donc bon, il y a peu de chance parce que ici on n'a rien trouvé, par exemple. Si on s'en souvient. Mmh. Et on peut aussi, si on se souvient plus trop où c'était, cliquer sur les indices et il nous, le jeu nous ramène dessus. Et un deuxième aussi parotte. Il y a quelques interactions, allumer le feu, faire que les gens s'exclament, mais pas tant que ça, j'ai envie de dire. Il y en a un peu. Du coup, il y a la clé, la tomate, je sais pas, la serviette en clé, la madame. Et l'autre. Il y a des petits sons, c'est quand même. Ouais, je pense que. Ah, les serviettes, c'est peut-être à l'auberge. Hein. Tout planté dans la. Il faut des fois être très précis quand. Par exemple, ici, il y a. Ici, il y a à la fois si je clique trop. On voit le symbole de porte sur la main, donc ça va montrer l'autre étage. À la fois le couteau et à la fois la table. Donc, si on veut le couteau, il faut pas taper sur la table, il faut pas taper sur le sol. Là, il y a la clé. Voilà, par exemple, oui. Là, j'ai tapé sur la table et pas sur la clé. C'est vraiment, il faut être précis. Lui, est-ce qu'on peut, on peut le jeter. Il y a aussi des fois des modes de terre, souvent, on est avec des modes de terre, on peut creuser. Pas hésiter à cliquer sur. Cette dame là, tu es mon meilleur ami, monsieur là. Bah, vous voyez, je pensais pas que c'était elle. Juste cliquer parce qu'il y avait une dame et. Ouais, moi non plus. Et voilà, dame lapin, je clique. En enlevant la maison. Ouais, en enlevant la maison, ça enlève les caisses et là, je voyais le deuxième bras et là, j'aurais pu cliquer. Alors que si t'avais été celle-là. Cette maison-là. Si ça avait été visible comme cette personne-là, on aurait pu se cliquer dessus directement. Ah oui, tomate au milieu des pommes. Je sentais qu'elle serait là, mais... l'a vu avant moi. Ouais, quand j'ai vu trois pommes, un truc un peu bizarre, bah, j'ai pas regardé en bas. Hein. je me suis tout de suite dit. Je me suis rappelé qu'on avait une tomate. Hein. Du coup, il nous reste la serviette et l'outre. Voilà la description de la serviette là. Quelle pagaille. Ouais, je posais quoi, la recette de potion. Ah, c'est une recette. De ma mère. C'est un humain ça. Recette. Ouais. Dans une maison, ça peut être devant une maison, mais oui, tu peux faire demi-tour. Toi, non, je t'ai perturbé. Ah, la recette de sorcière, il y a déjà le rat, donc peut-être pas. Ici, on n'y est pas allé. Ah. Non. Là. Si. Pas ça là-haut. Non. Ah, ça fait au pif, mais. Non, parce que j'ai vu le. Tu vois le rondin. Oui. Et là, c'est le seul rondin qu'on ne voit pas qui est plus resserré au centre. On le pense parce qu'il y a le pied de la table. Et c'est fait exprès.
Mais c'est aussi pour ça que tu cliques un peu. Là, il y a deux rondins de ficelés. Bah, je sais que c'est pas eux, mais lui, tu te demandes. Par contre, oui, comme vous voyez, quand on a cliqué sur, qu'on a trouvé l'objet, il ne disparaît pas, il reste, il change pas de couleur, il reste dans le monde. Qu'est-ce qui nous Il reste? reste l'autre. L'outre. Mais l'outre, ça parlait de fiston. Pas lui. On avait ouvert. Ça me donne envie de galette. Je vais voir ça, ouais. Galette des À rois, on toi. est encore en été. Encore en janvier. Oula, si, si, je suis pas contre. Miam. Tartine de Nutella aussi. C'est plus censé être des tourtes. Oui. Je trouvais pas le mot. Je pense aussi. Alors là, peut-être, piston, par passer une autre. Oui et non. Ah, lui. Ah oui. Bon, j'ai vu lui qui partait, et puis le papa, comment s'appelle? Forgeron ou Blacksmith? Ouais. Oui, forgeron français. C'est vraiment forgeron. Le Oui. forgeron, il a la forge. La forge, il y a des symboles de. Il y a des feux de forge, genre celui-ci. Tu vois, je crois qu'il y a deux mots. Il y a le forgeron et un autre. Bref. Il y en a un qui fait les outils et l'autre les épées. Ou il y en a un qui font le fer et l'autre qui fait les outils. Ah oui, je Tu vois, vois. j'ai plus les deux mots. Et bon. Et donc là, on a. À vue d'œil, mais malheureusement, ils sont pas tous recentrés du même côté. Mais on a fait tous ceux qui sont de jour, donc on va passer de nuit. Alors on pourrait alterner plus souvent, mais vu que ça prend 10 secondes le changement, on a la flemme. Et donc là, bah, l'arrivée, les gens qui arrivent, ils sont partis. Qu'est-ce qu'on a? On a une souris blanche, on a un hibou de Une souris Edwidge. blanche. On a une petite pièce, peut-être. Oula, il a pris de la drogue, lui, on dirait. Là, il tremble Ah oui, avec son sécateur. c'est quoi sa description? Ce n'est pas cette serrure qui va m'arrêter. C'est pas Ah. cette serrure qui va m'arrêter. Je le vois plus comme ça. La pièce, là. Il y avait une Vas-y, pièce jette-la. sautée. N'oublie pas de faire un vœu. Là, il n'y a plus la recette. Alors qu'ils auraient pu la laisser hein, 2 jours et 2 nuits. Ouais, il n'y a plus la tomate, ils auraient pu la laisser 2 jours, 2 nuits. Mais ça peut permettre aussi de faire un. On change de temps. Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Oui, c'est quelqu'un ça. Pourquoi elle dort à l'envers? Je sais pas, on va fermer ça. Mieux pas fermer en général. Elle porte pas le tissu là? Oh, ok. Non, Non. ok. Lui, c'était quoi? Et on frappe avant d'entrer. Pareil, ça donne un indice que c'est sûrement dans les toilettes. Oh, le cochonou! Lui, il a déjà trop bu là. Il sent plus bien. Il marche plus droit. Pendant que eux dansent. Elle est là. Ah, c'est la serrure du trésor, fan de Du les trésor qu'on avait importe. déjà ouvert. Ah oui. C'est des indices, mais pas non plus. Il est là. Par exemple, l'outre avec. On oublie pas ça. Quand j'ai vu la personne et le. Là, quand j'ai vu la personne et la calèche, j'y ai pensé. Edwidge.
Alors j'ai tout ouvert, mais ça pourrait. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça pourrait très bien être fermé ou un autre étage de ce que j'ai ouvert. Une outre, là d'ailleurs aussi. Ça, c'est le sac d'or. Il reste quoi? Le sablier et une serviette. Il est là, le sablier. Ah oui. Il y a le rat de jour, le sablier de nuit. Les chats dansent toujours autant. Donc une serviette, je ferai pas la serviette chez la sorcière, mais... On a eu des choses ici. Ça risque que ça. Ouais, on a eu la pièce de monnaie. Elle était où la dame au lapin? Elle était ici. La quoi? La dame au lapin. Elle était là. Ah oui. Je voulais voir si en fermant, tu vois, la serviette n'était pas là dehors. Où est la serviette? Il n'y avait qu'un seul étage. Non plus, il n'y avait pas qu'un seul étage. On regarde pas autre chose. Si. Ah ok. Déjà. Voilà, c'est que... Le problème, c'est que je regarde au rez-de-chaussée de beaucoup de choses. J'ai laissé les rez-de-chaussée, mais pas forcément les étages. J'essaie de... Gaffe, là. Oui, non, là, c'est déjà la souris. Ça ici peut-être. Peut-être lire. Oups, j'ai fait tomber ma serviette. Dans l'eau? Ah, peut-être. Dans le puits? Je pensais à la tour. Dans le puits, on a déjà la pièce de monnaie. Quelqu'un qui aurait besoin d'une serviette, on n'a pas forcément vu de douche. On regarde sur l'eau aussi. Mais c'est pas une vraie une serviette de table. Ah. Un choix, bon, elle aussi, elle tremble. Elle là. Mm-hmm. Ouais, j'avais essayé de cliquer, alors. Soit je clique mal, soit... Ça va être de table, donc ce serait par ici. Ah bon. Ils l'ont bien caché, hein. Ouais, j'ai bien fait de dire ça va être de table. Et donc voilà, on va lancer le niveau suivant. Au moins que vous ayez au début de la suite de l'histoire. Dear, it seems we haven't seen the last of that pesky necromancer yet, and he's not too happy about a group of adventurers breaking into his tower and taking all of his things. Quick, rally the troops to defend the castle and drive him away once and for all.
Et là, pour le débloquer le niveau suivant, il faut qu'on trouve 7 objets. Sachant que. Non, sachant que. Vu qu'on a fait du 100% ou presque, il y a un objectif secret ou deux, je suis pas sûr qu'on les a eus. On en est déjà à 6 sur 7. Ah, d'accord. Donc voilà. Et pour montrer un peu la taille. Et les premiers niveaux sont petits. Mais voilà. Et encore. Je cherche pas vraiment, hein. J'essaie surtout de vous montrer. Je suis dézoomé au maximum, donc on peut pas dézoomer plus que ça. Là, à chaque fois, avec 2-3 étages, deux brouillards de soleil. Des gobelins dans la tour, quoi. Des géants. Et les échelles du mauvais côté. Mais voilà, c'est très grand. On n'a pas forcément beaucoup plus. On en a un peu plus quand même. Au début, on en avait que 4 ou 5. Mais on n'a pas. On a un peu plus d'objets à trouver, mais c'est surtout que la carte est de plus en plus grande et de plus en plus fouillie. De plus en plus de choses à trouver. Enfin, à chercher, pas à trouver. Là, le château, c'est 3 grandes pièces. En haut, au milieu, en bas, c'est 3 zones assez grandes où ils peuvent cacher ou pas des choses. Voilà, voilà, je pense que ça va être tout pour la découverte. On peut revenir sur le menu principal. Ok. Ça j'ai pas trop compris ce que c'était, mais apparemment par défaut on nous donne un compte, moyen de changer le nom d'une manière ou d'une autre. Alors, on voit le temps de jeu, le nom du succès, la campagne faite, les cartes en ligne. On peut changer son avatar, son pose. Voilà. On télécharge rapidement une petite carte, là il y avait. Celle-ci, il n'y a que 3 choses à trouver, elle n'est pas très grande. Et les autres sont un peu plus grandes, mais juste pour voir un petit peu ce que la communauté peut faire. Alors, il n'y a que 2 jours. Trouver la plante. Donc, il faut trouver. Il n'y a pas le texte. Il faut trouver 7 fleurs. Ah, d'accord. 7 fleurs-ci, 7 fleurs-là. Et cette fleur-là. C'est pour les bébés. Il n'y a pas vraiment de niveau suivant. Et là, les deux premiers niveaux de la communauté, je crois, ils avaient beaucoup de détails. De cœur. Oh. Celui-ci, on avait pas mal, mais on passe de 870 à 820, 720. Là, 400, 200, donc. C'était petit, j'avais vu. Le tout premier. Mm-hmm. Et non, faut télécharger. Ah oui, d'accord. Il y a de l'aide et du menu. D'accord. Il y a tous les oiseaux du jeu possible. Il y a une madame oiseau. Oui. Ce spoil des aventures, sûrement grecques, avec la mythologie. Ah, tu penses? Oh, mais c'est pas grave. Alors, il y a une étoile de mer, c'est pas celle-là? Si, clique. J'ai cliqué. Ah non, ok. Ah, elle là, est plus sur pâle. Le radeau. Oui. Oh, oui, aïe, faites ça. Donc, cette personne-là s'est amusée à mettre des textes. En français, donc je sais pas si ça a été traduit automatiquement ou... Ou pas. Alors il y a une poule, un pigeon, un poisson mort. Cherche un pigeon. Et des fientes. Il n'a pas joué avec la météo, le temps. Après, faut en avoir envie. Je pense que déjà, rien que faire ça, faut mettre
chaque caillou, chaque herbe un peu. Faut en avoir envie de faire deux scènes complètes. Pas ce pion-là. Pas ce pion qui, Ah, mais c'est cette fiente-là. la chance. Bah, j'ai vu le deuxième pilon. Eh bien, Après, j'ai c'est quand même la regardé. chance. Toujours pas ce pilon-là. Ah oui, moi je l'ai pas trouvé. Ah, je l'ai trouvé. Le pilon. Oui. Il est à gauche. Oui, tu chauffes, tu chauffes, tu Là. brûles. Maintenant, la poule et le poisson mort. On n'a pas eu trop de trucs en haut, La alors la poule, poule, elle elle est est là. là. Et le poisson mort. Il doit être en bas. Hein. Ouais, mais les oiseaux, Ceux-ci ça l'ont peut. ramené. Ouais. Ah oui. Hey! Raté. Pour les gens. Ah non, quand même. Je sais pas. Je pense que c'est juste pour pouvoir les retrouver, mais si on finit au suivant, ça ne fait rien. Si. Un autre niveau de la même partie. Bureau de Oui, je développement pense. de jeu des années 80. Il est là. Une grande salle, Bon, mais ben, elle est vide. vide. Le chat, il est là. J'ai vu l'antenne après, du coup j'ai fait bah l'antenne elle doit être Ah par-dessus. bon? T'as cliqué dessus parce que tu l'as vu en bas ou? Oui, tu m'as dit le chat est là, j'ai mis ce clic sur le chat et j'ai vu qu'il y avait l'antenne de toute façon. D'accord. Du coup j'en ai profité. Ah, le post-it. Petit post-it, une feuille de La papier et feuille. la Game Boy. La feuille. Non, les toilettes ne sont feuille. Oui, c'est compliqué. En même temps, le décor est plutôt blanc. Oui. Oh non. Bah, j'aurais bien vu sur les toilettes. Bleu. Comment s'appelle ça en français? Voilà, poubelle. Non, Poubelle. l'animal. Ah, le Raton raton laveur. laveur. En anglais, ça s'appelle Trash Panda. J'ai vu une poubelle. Je me suis dit que, bon, Trash Panda dans la poubelle. Moi, je pense à raccoon direct. Et ils disent les deux. Je suppose que cette idée de conception n'a pas fonctionné. Ah. Est-ce que ce serait pas, non, pas sur la poubelle? Mais. Dans cette poubelle-là. Ah, Si elle n'a pas ok. fonctionné. Bravo. Voilà. Il y a un peu de bonus de niveau en ligne. Ils sont peut-être un peu moins fouillés que les fouilles, que les de trop, quoique. Il y en a qui ont l'air grand, hein. Celui-ci l'air. Mais faut les tester. Chargement, donc à chaque fois on voit que l'ascenseur remonte. Il peut y avoir un sacré paquet de niveaux. Par défaut, c'est les plus aimés, les populaires, ça donnerait quoi? Easy Trophy, d'accord. Easy, easy Easy, easy, trophy, ok. Les cozy house. plus populaires, c'est ceux-là. Bon, les plus terminés, ça. Oh, j'aurais pensé que c'était Croissant les pour plus la simples. guerre. Les plus joués, ça va être les plus populaires, ok, à peu près. Et les plus récents, comme ça, on peut. Pareil, ok. Ça m'étonne que les plus récents, il y ait ceux-là en fait. J'aurais pensé qu'il y aurait des petits niveaux en mode ceux qui sont. Aimé, il y a zéro gemme. Attends, là j'ai cliqué à droite, là. Ah. C'est. Ouais, ça doit être du random, je sais pas trop. Et on peut regarder que ce qu'on a favorisé, pas favorisé, suivi, pas suivi, non joué, etc. Bien. Si je vous ai un petit peu montré le mode création, mais j'ai pas vu le tuto et bon, personnellement ça ne m'intéresse
pas énormément en général. À moins de trouver une idée, une envie, un besoin de le faire. Je m'abstiendrai de vous montrer plus. Donc voilà, c'était Hidden Fruit Time 2. À 12,50€, je crois, j'avais dit. Donc, voilà. Oui. Juste. J'y pense à ce moment-là. Je crois que on a eu la clé. Les développeurs nous ont proposé la clé parce que la version console et mobile sortira le 25 janvier. Et j'avais oublié de remercier Pirate PR pour nous avoir gentiment proposé de faire le jeu à l'occasion justement de la sortie mobile et console. Donc ça fait que vous pouvez l'avoir sur Steam et sur console, sur Switch, je le vois bien. En mode on part en voyage, on s'occupe un peu. Pareil sur mobile, quoi, je pars en voyage. M'occupe un petit peu sur PC, nous on le fait de temps en temps comme ça pour... on fait ce genre de jeu de temps en temps, et ouais, sinon je vois plus pour occuper un peu le temps de temps à autre, parce qu'on n'est pas pressé, on a tout le temps qu'on veut. Après, en plein soleil, faut avoir le bon écran, on va dire. Allez, prochaine, bye bye, bye bye.